18e jour de course, le peloton entame sa remontée vers Paris. Le plus dur est donc passé, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se relâcher. Ça va être une des dernières journées pour pas mal d'équipes d'aller chercher le résultat manquant. Parce qu'il n'y a que 8 équipes qui ont réussi à ramener quelque chose, en tout cas un gros trophée à la maison. Donc ouais, il va falloir rester vachement concentré et après le week-end sera un peu plus ludique d'un point de vue nerveux, ce sera plus lucide, plus calme, plus cool. Donc voilà, il faut rester encore bien focus aujourd'hui. En effet, aujourd'hui l'étape devrait s'achever sur un sprint massif, mais après la montagne, des sprinteurs, il n'y en a plus beaucoup, ce qui peut changer la donne. S'il y a moins de sprinteurs, c'est-à-dire qu'il y a moins d'équipes qui veulent arriver au sprint. Donc à partir de là, ça réduit les équipes qui contrôlent. Donc une possibilité encore plus qu'une échappée peut aller au bout. Après voilà, c'est vrai qu'on est à la veille d'un chrono. Les équipes qui jouent le classement général veulent une journée un peu plus calme pour être sûr que leur leader passe bien le chrono demain pour garder leur position. Donc faut voir comment ça court. Hubert. Un sprint assuré, oui, mais pour autant, c'est la dernière occasion pour une échappée de se former. Et seul Julien Simon n'a pas encore tenté l'aventure sur ce Tour de France. Oui, j'aimerais bien. Après, faut que les gens me répondent. Et puis, c'est un peu vallonné au départ, tout ça. Donc, ça va être, je pense, encore une bonne bagarre. À voir si Quickstep arrive à contrôler un peu toutes les attaques. Mais on va essayer de placer un homme devant encore. Et si c'est sprint après, Anto, il ira faire le sprint. Donc, on va voir. Avec le soleil qui fait son retour, Pierre a élaboré une technique pour transformer sa casquette en visière. J'ai fait un petit custom parce que mes cheveux m'énervaient là ce matin. Du coup, j'ai refait la technique que j'avais mis au point en Tour de Suisse. Ouais, tu vois, les golfeurs font ça des fois aussi. Ils sont 6 hommes à prendre la tête de la course. Le peloton contrôle l'écart qui oscille autour des 3 minutes. Puis après 2 heures de course, un groupe de 20 coureurs part à la poursuite des fuyards. Un groupe dans lequel on retrouve Anthony Turgis. Et les deux groupes se rejoignent à mi-parcours. À 50 km de l'arrivée, ils sont toujours une vingtaine à l'avant avec plus de 11 minutes d'avance. La fin d'étape ressemble à un final de classique. Anthony se bat pour rester avec les hommes de tête. Mais à 23 km de l'arrivée, Matej Moric parvient à partir seul en tête et s'impose à Libourne. Le francilien a réalisé une très belle course en terminant 9e. C'est vraiment pas évident. On se retrouve avec des mecs costauds. Si t'as pas le droit à l'erreur, hein, tu leur laisses 2 secondes, tu payes cash. Donc voilà. Moric, on lui a laissé 1 seconde, il en a profité et est parti. Puis après, c'est le jeu un peu du chat et la souris. Quand ça commence à. Ouais, à 50 km de la ligne d'arrivée, se mettre des attaques en sachant qu'il reste des petites côtes pour faire la différence. Faut bien courir, faut bien suivre, être dans les bonnes vagues pour en garder un maximum, puis attendre le bon moment, puis c'est ce qu'il a fait. Puis bon, après, Jean m'a parlé, le groupe s'est cassé, puis on s'est retrouvé à plusieurs au sprint. J'étais pas dans la meilleure position pour aborder le sprint, mais bon. Je me suis retrouvé là, j'ai fait ce que je pouvais. Pierre anticipe sur l'avant-dernière étape, car demain c'est jour de contre-la-montre avec 30 km entre Libourne et Saint-Émilion, une épreuve qui scellera le classement général.